voudrais oublier le temps.
Alors, le but de l'organisation de cette semaine, c'est de bien inciter nos habitants à pleinement s'intégrer dans la vie de notre ville. C'est ni la campagne, ni la grande ville. C'est certainement la taille idéale pour pouvoir être complètement imprégné, baigné dans son environnement. C'est d'ailleurs ce que nous avons travaillé cette semaine pour que les enfants, les seniors reprennent goût à vivre donc au contact de la nature. Nous sommes vraiment la ville à taille humaine où on a la possibilité de faire cette promotion du bien vivre ensemble, de vivre en harmonie. Et c'est toutes ces thématiques qui sont abordées cette semaine. Alors évidemment, on est amené à mettre en œuvre tout un tas d'actions municipales, d'actions politiques qui font partie de notre programme et qui veillent justement à installer, à cultiver, à augmenter encore ce bien vivre ensemble pour les habitants, avec des aménagements urbains qui sont soucieux également de la nature. Par exemple, le quartier du Stade, que nous sommes en train de reconstruire complètement, va pouvoir bénéficier d'une noue végétale qui va capter l'eau pluviale, une liaison douce qui va pouvoir nous mener du cœur de ville jusqu'à la zone de plein air des Sept Chevaux. Et c'est aussi ça, le bien vivre en ville, c'est pouvoir, encore une fois, marcher, courir, se promener avec ses enfants, aller de l'école à son domicile par le biais de trottoirs sécurisés ou en vélo à travers des liaisons cyclables sécurisées. C'est pouvoir, à deux pas de chez soi aussi, aller avec ses enfants, jouer dans une aire de jeu, à proximité immédiate de son école ou à proximité immédiate du domicile des parents ou des grands-parents qui parfois peuvent avoir les enfants en garde. Voilà, c'est vraiment toute une action municipale qui est organisée autour de ces actions pour cultiver le bien-vivre ensemble.